Shavuot Tov à tous, nous sommes le Motzé Shabbat 9 Adar Bet 5776 et l'étude sera le Nishmat Rivka Bat Sara, Rachel Bat Sara et l'Izrut Rivka Bat Martin Myriam, les Ben Zahar Bekarov Bezrat Hashem. Nous étudions Baba Kama Perik Vav Mishnah Bet Inicha Bachama O Shemesara Lecheresh Shote Vekatan Veyatza Veizika Chayav Mesara Leroe Nichnas Roe Tartav Nafla Lagina Venenet Meshalemet Mashenenet. Yarda Kedarka Veizika Meshalemet Mashizika. Keitzad Meshalemet Mashizika. Shamin Betzea Beotasade. Kamaita Yafa Vekamai Yafa. Rabbi Shimon Omer Achla Perot Gmurim Meshalemet Perot Gmurim. Im Sea Sea Im Sataim Sataim. Trois sujets dans la Mishnah. Premier sujet, on va continuer à apporter des précisions sur le niveau de surveillance requis. Et pour être déchargé de la responsabilité des dégâts. Deuxième partie de l'animal, on va apprendre comment de la Mishnah, et on va apprendre comment l'animal, de quelle manière l'animal doit pénétrer chez le voisin pour être porté responsable. Et troisième partie de la Mishnah, comment évaluer le dommage. Donc pour la première partie de la Mishnah, on continue le sujet déjà de la Mishnah d'hier où on apprenait les niveaux de surveillance requis pour être déchargé de la responsabilité. On apprenait qu'à partir du moment où j'enferme mon animal dans un enclos, en fermant une porte capable de tenir devant un coup de vent classique, je suis ensuite dispensé si l'animal réussit quand même à sortir. Alors la Mishnah maintenant va nous apporter d'abord une précision. C'est que si je laisse l'animal sous le soleil, et le soleil lui tape sur la tête, et donc il s'excite, et il va et il défonce cette porte, là je serai porté responsable. Parce que tu t'acquittes. Tu te décharges de la responsabilité à partir du moment quand tu fermes une porte, à partir du moment où l'animal est censé rester enfermé dans cette porte. De manière naturelle, un animal ne cherche pas à ouvrir une porte pour sortir. Il voit une porte fermée, il ne commence pas à essayer de la pousser de force. Donc, mais quand il y a le soleil qui l'excite, alors là, elle perd la tête et elle défonce la porte. Et de ce fait, tu seras responsable jusqu'à ce que tu lui fasses ce qu'on appellerait une shmira, mais où là, une garde enfermée bien comme il faut, ou elle n'est pas censée sortir de cette manière. Ça, c'était pas le premier, les deux premiers mots de la Mishnah. Inicha bachama, donc c'était qu'il a laissé l'animal bachama sous le soleil. Chama, c'est le soleil. On continue. Deuxième cas de figure, ou encore, au lieu d'enfermer l'animal, il avait une petite course à faire, deux petites minutes, partir acheter, peu importe, son ticket de loto, ses cigarettes. Il a laissé son chien ou son animal à son enfant, qui n'a pas de jugeote, moins de 13 ans. Il n'est pas encore responsable. Et donc il a laissé l'animal, il est parti faire son petit achat. Et pendant ce temps, l'enfant a voulu tester s'il lâche la laisse, est-ce que l'animal part. Et effectivement, il en a eu la preuve. Il a léché la laisse, il est parti, il a fait un carnage. Alors là, dans ce cas-là, il sera porté responsable. Qu'il s'agisse d'un enfant ou encore d'un sourd. On apprenait déjà un sourd de naissance qui est considéré dans la Torah comme un fou, ou tout simplement d'un fou. Il est considéré comme un fou parce qu'il n'a pas de jugeote, il n'a pas pu développer son intellect, il ne pouvait pas communiquer, donc il est resté petit dans sa tête. D'accord ? Donc ça, c'est les cas supplémentaires. « O shemesara le cheresh shote vekatan » ou encore qu'il a transmis son animal à un cheresh, à un sourd, shote, à un fou, vekatan, à un enfant. Et suite à ça, « veyatsa veizika » et l'animal est sorti et il a causé son dommage. Chayav, il sera porté responsable parce qu'on considère dans tous ces cas-là qu'il n'a pas gardé tout simplement son animal. D'accord ? Autre cas de figure encore de garde, de mauvaise garde, non, de garde qui fonctionne, mais c'est un moyen de se décharger. Mais Sarah le roé, nirnas roé tartav. S'il a transmis son animal à un berger pour qu'il le garde, donc. Dans ce cas-là, la Mishnah nous dit « Nichnas roe tartav » le berger à partir de ce moment-là, il prend la place, la responsabilité du propriétaire, donc ce sera le berger qui sera porté responsable. Voilà pour les mots de la Mishnah. En réalité, la Gemara prouve que les mots écrits ne signifient pas ce qu'ils ont l'air de dire. On parle en réalité d'un cas bien plus complexe que ça. Pour la simple raison que ceux qui se souviennent du Perek Dalet Mishnah Tet, on apprenait déjà la lachot de celui qui transmet son animal à un gardien, qu'à partir de ce moment-là, c'est le gardien lui-même qui sera porté responsable. Alors pourquoi me répéter une nouvelle Mishnah? Et la Gemara rallonge pour expliquer qu'en réalité on parle que celui qui transmet l'animal à un berger n'est pas le propriétaire de l'animal. On parle en réalité qu'il y a deux bergers dans l'histoire.
ou plus précisément le berger et l'apprenti berger. Au début, j'ai donné mon animal à garder, ma vache, à mon taureau, à un berger. Et je lui ai dit, tu le gardes. D'accord ? Et ce qui s'est passé, c'est que le berger avait une course à faire. Et là-bas, il appelait son apprenti, son... D'accord ? Son... Peu importe. Son employé, son apprenti. Il appelait, il lui a dit, garde l'animal, je te le transmets. Moi, je vais faire ma course. Alors là, la Mishnah vient nous enseigne, mais ça va les roer si le berger bosse. L'a transmise à un roé bleu apprenti, Nirnas roé tartav, ce jeune homme, cet apprenti berger, devient lui, sera désormais lui-même le responsable de l'animal. Donc, si finalement mon animal cause des dommages ou l'arrive quoi que ce soit, je ne vais pas voir le berger boss, mais je vais voir le berger apprenti. Vous allez me dire, quel est l'intérêt de cette Mishnah? Cet intérêt, en réalité, il est géant. Parce que concrètement, si ce berger-là, le premier berger à qui j'ai donné, avait une course à faire et qu'il a donné à un autre berger que je ne connaissais pas du tout, un berger externe, alors ce sera le premier berger qui sera responsable. Pourquoi ? Parce qu'il y a une règle qu'on apprendra amplement quand on arrivera dans Baba Metzia, mais qui est déjà évoquée ici, c'est que Shomer, Shemassar, les Shomer, Chayav. Si moi, je te nomme à toi, je te dis, tiens, surveille mon argent, garde-moi mon enveloppe de 10 000 shekels. Et t'avais quelque chose à faire, et t'es parti, t'as transmis cette enveloppe à quelqu'un d'autre. Et finalement, il y a eu un problème. Alors, faut que tu saches, c'est toi le responsable, pas l'autre. Parce que l'autre, je ne le connais pas. Si j'avais besoin de ses services, je serais parti le voir à lui. Si je suis parti te voir à toi, c'est parce que pour moi, il n'y a qu'une seule personne de confiance, c'est toi. Et donc, quand je me suis adressé à toi, c'est toi qui es responsable. De ce fait, lorsque je donne mon animal à garder à un gardien, et que ce gardien le transmet ensuite à un autre gardien, alors, Béhémet, c'est le premier gardien qui est responsable, pas le deuxième. Lui, ensuite, le premier pour aller voir le deuxième. Mais ça, c'est un problème entre eux. Disons que le deuxième, il est malhonnête, il n'a pas d'argent de quoi payer. Moi, de mon côté, j'ai rien à voir avec lui. Lui, je le connais pas, ni d'Adam, ni d'Ève. Moi, je te connais à toi, et donc c'est toi qui dois me dédommager. D'accord ? Partant de ce principe, alors vous allez me dire, alors qu'est-ce qu'elle dit la Mishnah ? Puisque la Mishnah nous dit que si le berger la transmet à un berger, on est dispensé. La réponse, elle est parce qu'on parle de son berger apprenti. Il faut savoir qu'à partir du moment où moi, je vais voir une personne et je lui dis, garde-moi mes 10 000 shekels, et je lui dis, tiens, garde-moi ça, ce bien. Alors, c'est vrai que j'inclus, attention, toi tu gardes et pas ton voisin. Mais malgré tout, tacitement, je suis d'accord que lorsqu'il doit partir faire une course, il ne va pas se promener constamment avec mon argent. Parfois, ça va être sa femme ou même ses enfants de plus de 13 ans qui vont eux-mêmes surveiller. Et en l'occurrence, même son employé, même son apprenti. D'accord ? Donc, c'est la Mishnah qui nous dit « Messara l'héroé », je reprends en expliquant comme il faut l'expliquer finalement, le Bartonor va l'expliquer comme ça. « Messara l'héroé », c'est-à-dire, initialement, je l'avais donné à un premier berger. Et ce berger l'a transmis ensuite à son apprenti berger. « Nirnas roé tartav », ce petit jeune homme, est entré, lui, à la place des... Il a à la place du premier berger, d'accord ? Voilà pour la première partie de la Mishnah. Deuxième partie de la Mishnah, maintenant on va s'intéresser à la manière dont l'animal entre. Petit rappel d'abord, chêne verregel, l'animal qui piétine ou l'animal qui mange, les deux nezakim, chêne verregel, la dent et le pied, d'accord ? Symbole du dommage avec profit ou bien du dommage qu'on fait de manière habituelle en marchant sans inintentionnellement pour l'animal. Dans les deux cas, nous apprenions que l'on est chayav uniquement dans le Reshut Arabim. Comme la Torah l'a dit, on n'est pas tour dans le Reshut Arabim, on est chayav que dans le Reshut Ayachid. Il a envoyé son troupeau, son animal, et il a mangé dans le Bisde Acher, dans le champ d'un autre. La Torah insiste en disant le champ d'un autre, donc pas sur la voie publique, uniquement que s'il est entré chez le voisin pour manger. D'accord ? Ça, c'était, on apprenait déjà longuement, plusieurs fois on l'évoquait. Chad Verigel, on est chayav que dans le Reshut Ayachid, dans la propriété privée. Notre Mishnah maintenant vient nous dire attention, intéresse-toi aussi à la manière dont l'animal pénètre. C'est-à-dire, si tu pouvais prévoir, éviter le fait que ton animal pénètre chez le voisin, alors tu seras effectivement porté responsable sur le fait que l'animal entre et mange. Par contre, si tu as pris des précautions et il y a eu un accident, un imprévu, et que l'animal a réussi à entrer, alors dans ce cas-là, tu seras dispensé de le dédommager parce que tu ne seras pas fautif sur le fait que ton animal est entré chez le voisin. Rappelle malgré tout que la Mishnah va nous faire, s'il est entré chez le voisin et qu'il a mangé, c'est
Donc il est rentré sans faire exprès. Par exemple, il est tombé, il y avait une barrière, il n'était pas censé tomber, et malgré tout, la barrière, elle s'est brisée, et il est tombé, donc, il est tombé, et il a écrasé les fruits, et puis ensuite, il en a profité pour être dedans, il en a profité pour manger tous les fruits qu'il trouvait sur son passage, il était très content. Donc, je ne suis pas fautif sur le fait que l'animal soit rentré et pénétré chez le voisin. Donc, je suis, premièrement, dispensé de payer le dommage. Mais malgré tout, tout ce que mon animal a tiré à un profit, je devrais quand même le dédommager partiellement. Grâce à lui, j'ai économisé le prix d'un repas. Alors, je n'aurais pas besoin de payer... Je devrais quand même lui payer ce prix du repas qu'on estimera à Dmei Seorim Bezol. La valeur d'orge à bon prix, c'est-à-dire aux deux tiers du prix que l'on vend au marché. D'accord ? Voilà pour la Mishnah. On va apporter ensuite une précision, mais d'abord on l'a fait dans les mots. Nafla Lagina, donc son animal, sa vache, est tombée dans un jardin. Venenet, et quand elle est rentrée, elle a attiré profit, elle s'est léchée les babines. Meshalemet, Mashenenet, je ne paierai uniquement ce qu'elle a profité, le fait que j'ai économisé ce repas. Par contre, Yarda Kedarka Veizika, si elle est descendue chez le voisin, naturellement, elle a vu qu'il y avait une rampe, et elle est partie par là-bas. Et donc, comme son habitude, elle est Veizika, elle a causé un dommage. Cette fois-ci, il faudra payer Meshalemet Mashizika. Là, il faudra payer Mashizika, le dommage qu'elle a fait concrètement, ce que les fruits valent, même si j'en ai pas tiré de profit, même si l'animal en est finalement devenu malade. En mangeant ses fruits, c'était pas approprié. Malgré tout, je dois lui payer le dommage parce que je devais surveiller mon animal qui n'entre pas chez le voisin pour lui causer un dommage. Voilà pour ce qui est écrit dans la Mishnah. Quand même, je vous rapporte une notion importante dans la Gemara qui est ramenée en fait dans le Bar Tanoura aussi. Il y a une difficulté qui sera de définir à partir de quand je considère le propriétaire comme responsable sur le fait que l'animal soit entré dans la propriété du voisin. Les cas grossiers, c'est que la barrière soit tombée et qu'il... Et donc l'entrée, c'était imprévu complètement. Et le cas classique, c'est quand elle descend par la rampe. Mais qu'est-ce qu'on fera, par exemple, dans un cas? Alors, je vais rapporter directement le cas de la Gemara. Un cas, par exemple, où j'ai fait passer mes animaux sur un pont étroit. Et s'ils passent un par un, alors ils ne tombent pas. S'ils passent deux par deux, ça passe, mais parfois, ça casse. D'accord? Il y a en réalité une discussion. Et concrètement, on considère que tu es fautif. Tu n'avais pas le droit de les faire passer deux par deux, parce que c'était logique qu'après 2000 animaux qui vont passer, il y en a un finalement qui va venir par tomber chez le voisin. Donc c'était prévisible, donc tu devais faire attention. Si tu as fait passer tes animaux deux par deux sur la passerelle, et qu'il y en a un qui est tombé, donc dans ce cas-là, tu seras entièrement responsable sur les dommages qu'il causera en bas. Voilà pour la deuxième partie de la Mishnah, on la refait dans les mots quand même. Nafla la guina venenet, elle est tombée, l'animal est tombé dans la guina, le potager, venenet. Et elle a tiré un profit. Elle a mangé. Mais Shalemet Mashenenet, le propriétaire devra payer Mashenenet ce que l'animal a tiré profit uniquement. Pas le dommage, mais le profit. S'il y en a. Et si c'est un mauvais aliment qui lui a abîmé la digestion, alors il sera dispensé de rembourser cette fois-ci. Yarda Kedarka, Veizika, par contre, si elle est descendue normalement, comme son habitude, avec la rampe, Veizika, elle n'a pas la cause d'un dommage, mais Shalemet Mashenenet, elle devra payer le dommage intégralement. Troisième partie de la Mishnah maintenant va être de nous expliquer comment évaluer le dommage de ce jardin, de ce petit champ, peu importe, ça peut être un champ ou une arbre. D'accord ? Alors la Mishnah maintenant, peut-être qu'on va d'abord l'introduire. Lorsqu'un animal mange des fruits, alors il faut bien sûr rembourser les fruits, pas au prix où tu les as payés, mais au prix où il y a un cours officiel, donc on se fonde sur le cours officiel, il y a toujours moyen d'éclaircir quel est le prix exact. Et quel est l'épicier qui augmente de trop ses fruits, bien sûr. Ça, c'était pour, de manière générale, quand le code est un dommage. Par contre, lorsque l'animal entre dans un jardin, dans un champ, et que là-bas, elle mange une arouga. Une arouga, c'est une plate-bande. D'accord ? Une rangée de tomates, dans un champ où il y avait plein de rangées de tomates. Comment évaluer ? Est-ce qu'on va dire, ah, tu n'as payé le prix des tomates ? Elle a mangé 17 tomates, on va vérifier combien coûtent des petites tomates vertes comme ça, et tu dois me payer ce qu'elle coûte. Ou bien, est-ce qu'on va dire, non, elle a mangé des tomates vertes, ou même si elles étaient rouges, tu dois payer, elle a mangé une rangée de tomates, tu dois payer une rangée de tomates. Ou est-ce qu'on va dire, non, finalement, elle est entrée chez toi, tu avais un champ où tu avais dedans plusieurs hectares de tomates, et donc on va prendre tout le champ, combien il vaut,
et avec une rangée, une plat-bande en moins, combien ton champ vaut? Et on va dire, bah, c'est ça le prix d'une plat-bande. C'est une deuxième manière de calculer. Pourquoi entrer dans des complications? Tout simplement parce que la Torah, elle a dit, le shiach et beiro ou bi'er bisde acher. Il a envoyé son animal, ses animaux, paître dans le champ du voisin. Donc la Torah, elle a mis, la Gemara explique pourquoi il y a ici quelques lettres ou mots, un mot en trop ou une lettre en trop, sur le fait que l'animal, on considère que l'animal, il n'est pas parti manger une plate-bande, mais il est parti manger un champ. Bon, il n'a pas mangé le champ entièrement. Il a mangé une plate-bande dans le champ. La Torah est venue nous dire, fais une sorte de moyenne, d'évaluation modérée, où l'endommagé récupère une part d'argent, mais sans non plus prendre un prix trop excessif. Et là, tu calcules le prix du champ avec cette rangée, et tu déduis ensuite, si on devait vendre ce champ avec cette rangée-là en moins, avec cette plate-bande en moins, combien ça coûterait? Bien sûr, vous allez me dire, c'est très aléatoire, il y a des champs de plusieurs hectares et des champs minuscules. Alors sur ça, la Gemara nous dit, prends le minimum d'un champ. Le minimum d'un champ, c'est ce qu'on appelle Betsea. 50 amas sur 50 amas, 25 mètres sur 25 mètres. Un pauvre qui doit acheter quand même un champ pour essayer de devenir un petit peu productif et avoir sa parnassa indépendamment des autres, ce sera le minimum d'un champ qu'il achètera, 25 mètres sur 25 mètres. Donc dans ce cas-là, calcule à chaque fois, cherche, prends la plate-bande, calcule 25 mètres sur 25 mètres, et tu prends tout ça en tomates, et maintenant, combien coûte de vendre ce champ, donc de 25 mètres, avec toutes les rangées, ou avec une rangée en moins, et comme ça, tu évalues la plate-bande. C'est ce que la Mishnah nous dit, « Ketzad meshalemet mashehizika ». Comment elle paye, donc comment on va évaluer mashehizika, le dommage qu'elle a causé? Alors la Mishnah nous dit, « Shamin betzea beotasade », évalue dans ce champ-là, calcule un betzea. Betzea, c'est comme ce qu'on a dit, 50 sur 50. On apprend ça, entre parenthèses, vraiment, quoi, du Khatser à Mishkan. La cour du Mishkan mesure betzea taïm, c'était 50 sur 100. Donc betzea, ça fait la moitié, c'est 50 sur 50. D'accord? Donc prends un champ de 50 amas sur 50 amas, donc 25 mètres sur 25 mètres, et calcule maintenant, évalue la plate-bande selon ça. Kama haïta yafa, ve kama yafa. Combien ce petit champ valait initialement et combien il vaut finalement. Voilà pour la première partie de la dernière partie de la Mishnah. Rabbi Shimon maintenant vient, il nous apprend, attention, cette halakha n'est en vigueur que si l'animal mange des fruits qui sont encore en train de pousser. Par contre, si les fruits sont à point, ils sont devenus assez mûrs, on est censé les cueillir, très prochainement ils n'ont plus besoin du champ, alors là on ne va plus les évaluer comme une plate-bande à l'intérieur d'un champ, mais comme des fruits à part entière, donc il faudra rembourser le prix des tomates. Rabbi Shimon nous dit, « Achla perot gmurim, si l'animal a mangé des fruits mûrs, parfaits et complets, qui n'ont plus besoin de continuer à rester sur l'arbre, ou sur le... d'accord, dans le potager, « Meshalem et perot gmurim, elle devra dans ce cas-là payer, dédommager, rembourser des fruits entiers. « Im sea sea, qu'elle ait mangé une sea, c'est une quantité de l'époque, Im sa'ataim, sa'ataim, ou bien qu'elle ait mangé même sa'ataim, même deux CA. Ouais, on ne va pas préciser, ça va trop alourdir et on doit se dépêcher quand même de faire la Mishnah. Voilà pour la fin de la Mishnah, maintenant on fait le Barthénora. On revient maintenant sur le premier cas qui a apporté des précisions sur la surveillance requise pour être dispensée, pour être déchargée. On avait vu que Inicha Bahamas, il a laissé sous le soleil. Alors le Barthénora nous explique. Metsa'ara la Shimsha. Le soleil est metzaher, il lui fait de la peine. Velo sagela benei la karoi, ça ne suffit plus de l'enfermer normalement. Shei bedelet, shei chola la mode beruach metzuya. C'est quoi enfermer normalement, comme ce qu'on apprenait hier? Une porte apte à tenir face à un vent classique. Ça ne suffit plus, il faudra l'enfermer beaucoup mieux que ça. Ensuite, sur la deuxième partie de la Mishnah, la fin de la première partie, Nirna saroe tartav. On avait vu que si l'un donne au berger, c'était l'histoire avec les deux bergers, en fait le berger qui donne à l'apprenti. Alors le Barthénora nous explique, Nirna Saroé Tartav, le second, l'apprenti, entre maintenant à la place du premier berger. Velom Rinan Bechei Gavna, Shomer Shemassar, les Shomer Chayav. On ne dira pas dans un tel cas, la fameuse halakha qu'on a rapportée oralement tout à l'heure, de Shomer Shemassar, les Shomer Chayav, qu'un gardien qui transforme un autre gardien, alors le premier est porté responsable. Pourquoi? Shederech Haroé Agadol, Limsor la Roé Akatan Shetartav. Telle est l'habitude d'un berger
grand, un boss, de transmettre les animaux qui sont sous sa tutelle à d'autres seconds, d'autres employés qu'il a chez lui, à la Roy Katan chez Tartav, un plus petit berger qui est sous lui, qui est employé par lui. Olfikar, à Roé chez Tartav, Rayab. C'est pour ça qu'on va rendre responsable le Roé chez Tartav, le petit, le berger apprenti qui est chez lui. Nafla la Guina. On se rapporte maintenant sur la deuxième partie de la Mishnah, lorsque l'animal est tombé dans le champ. Vekegon chez Urleka, Venafla Beones. On parle d'un cas, par exemple, où, même s'il n'y avait pas de barrière, mais n'était pas, l'animal ne se jette pas d'une certaine hauteur, une vache, c'est pas son habitude. Donc, ce qui s'est passé, c'est que pendant qu'elle marchait, là-bas, elle a glissé, il y avait un terrain boueux, peu importe, elle a glissé, elle est tombée à l'intérieur. Elle est Nafla Beones, elle est tombée, c'était complètement imprévu. Aval Dachuota Chavrotea Veipiloa, là c'est le cas que je vous ai ramené tout à l'heure à l'oral. Aval Dachuota Chavrotea Veipiloa, par contre, si ses copines, donc il y avait deux vaches qui étaient en train de marcher, et une qui a poussé l'autre, Dachuota Chavrotea, ses copines l'ont poussé et l'ont fait tomber. Meshalem Mashizika, il faudra payer le dommage qu'elle a causé. Pourquoi ? Des Ihu Pashaba, car c'est le berger, le propriétaire, qui a été fautif dans cette histoire. Des Ave, les Avurin Hu Chada Chada, il fallait les faire passer sur la passerelle, une à une, pas deux par deux. C'est évident que deux par deux, il y aura un moment où elle tombera. Ensuite, par contre, on avait vu que quand elle est tombée sans faire exprès, Meshalemet Mashenenet, elle devra payer ce qu'elle a tiré profit. Derinou, ça signifie les filles anata velo les filles ezeika. Le profit qu'elle a tiré et pas le dommage qu'elle a causé. Ouais, comme on avait évoqué clairement. Ensuite, on se rapporte maintenant sur la troisième partie de la Mishnah. Shamin betzea beota sade. Où la Mishnah nous enseigne qu'il faut évaluer betzea. On va calculer un betzea, donc 50 sur 5, 50 amas sur 50 amas. Dans ce champ-là, on ne va pas prendre tout le champ. Alors le Bardera nous explique pourquoi est-ce qu'on fait cette moyenne. En Shaminata Aruga Levada, on ne va pas évaluer la plate-bande toute seule. Mipne Shemafsid Mazik, parce que dans ce cas-là, il va trop faire perdre le l'endommageur. Shishaminota Bechol Shovia, parce que dans ce cas-là, tu vas lui faire payer un prix beaucoup trop cher. Verachmana Amar Ubiar Bisde Acher, et la Torah dit, elle est partie, elle a brouté dans le champ. Donc elle a causé un dommage à tout le champ, pas qu'à une seule rangée. Vedar Shinan, et du fait que la Torah a dit ça, Vedar Shinan, Menamen Sheshaminota Al-Gav Sadeh Acheret, qu'il faut l'évaluer en fonction du champ, et pas que la plate-bande. Et là, Sheshamin Bebetsea Beota Sadeh Kamaita Shava Kodem Shenechla, Mimena Rugazot, Ve Kamai Shava Archav. Mais il faudra plutôt évaluer combien coûtait la plate-bande à l'intérieur du champ, à l'intérieur, Sheshamin Betsea, on évalue tout le Betsea Beota Sadeh dans ce champ-là. Kamaita Yafa, Kodem Shinechla Miminaruga, combien le champ coûtait avant que l'animal ait mangé cette plate-bande, Ve Kamai Shava Archav, et combien finalement, au final, elle coûtera sans cette plate-bande, Ve Ashta, et comme ça on est arrivé à un bon équilibre. Lo Meshalem Kulhu Dmea, il ne payera pas un prix trop élevé, Dme Demishelokar Betsea, car celui qui va acquérir un Betsea, un champ qui mesure un Betsea, 50 sur 50, Ama, Kshei Bitvuata, lorsque le champ est plein de céréales, Enomezalzel ba bishvil efsed aruga achat ki im davar muat. Il ne va pas faire baisser le prix trop cher à cause d'une plate-bande en moins. Rabbi Shimon Omer, achla perot gmurim. Maintenant, on passe sur le cas de la Seifa, le dernier cas de la Mishnah, que si elle a mangé des perot gmurim, des fruits, ou bien des. On a parlé de dvoua, de céréales, donc quand ils étaient finis à point, Shekvar Bechelou Koltzurkan, qui ont déjà mûri comme il faut, mais Shalemet Kol Aezek, elle devra dans ce cas-là payer le dommage intégralement, et pas avec ce calcul combien coûte cette plate-bande à l'intérieur d'un champ entièrement. Vecha Shaiminan Agav Sadeh. Et mais quand on évaluera, oui, selon tout le champ, uniquement lorsque les fruits n'ont pas encore mûri complètement, et l'alacha est tranchée sur cela, comme Rabbi Shimon. C'est fini pour aujourd'hui, pour ce soir. Rendez-vous demain matin. Je vous souhaite une semaine pleine de Hatzlacha. Kol Tov Selah.